Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très bien, c'est le week-end. Oui. On va se remettre en forme. Exactement. Alors hier, très important, nous avions fait une très belle vidéo sur Anima. Wadi Mouawad. Très bien. Et nous avions dit, enfin surtout toi dans ta présentation d'auteur, qu'il était aussi dramaturge. Oui. Il faisait des pièces de théâtre, dont l'une a été Adapté en film. adaptée en film. Peux-tu nous dire laquelle? Incendie. Très bien. Donc, Incendie, c'est quel genre? C'est du drame. C'est quelle durée? 2h05, Quel public? 16 ans et plus. C'est disponible sur quelle plateforme? Prime Vidéo. Voilà. Ou YouTube en VOD. Canal aussi, je crois. Oui, toute la YouTube, toute la VOD, c'est disponible. C'est réalisé par qui? C'est réalisé par Denis Villeneuve, que tu connais très bien et que Oui. tu apprécies beaucoup. L'un de mes réalisateurs préférés. Il a fait moult films. Peux-tu nous en donner? Blade Runner Ennemi, Prisoner, Dune 1, Dune 2, Premier Contact. Je pense que nous allons faire un cycle Denis Villeneuve. Parce qu'il y a quand même des films incroyables. Il y a des films qui sont pas très bons. Par exemple, Sicario, évitez. Ennemi, faut éviter. Voilà. Mais tous les autres, c'est incroyable. Bon, bref, revenons à nos moutons. Les acteurs, s'il te plaît. Alors, je vais citer trois acteurs principaux. Mélissa Desormeaux-Poulain, qui a fait Hors les murs, c'est un D'accord. film. Lubna Azabal, qui a fait Rebelle. Très bien. Et nous avons Maxime Godette, qui a fait Confession. Très bien. Le pitch, désires-tu ou puis-je? En gros, je peux faire. Allez. On va suivre des débuts, deux jumeaux. Une fille et un garçon, quand même assez adultes. Qui sont avec un notaire pour lire un testament Le destin. parce que leur mère est décédée. Donc, pour la lecture du testament, le notaire remet deux lettres, Oui. une à la fille qu'elle doit remettre à son père et une au fils qu'il doit remettre à son frère. Mais. Frère dont il connaissait pas l'existence, père qu'il pensait décédé. Voilà. Tout part de là. Exactement. Ça se passe donc. Le tout début du film au Québec. Attention, évidemment, les 15 ou 10 premières minutes, on va avoir un fort accent québécois. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Et après, la fille va donc partir au Moyen-Orient sur les traces de sa mère pour savoir quel était son passé. C'est leur seule piste pour savoir qui c'est ce père et qui c'est ce frère. Exactement. Ça Voilà. va être une sorte d'enquête dont on va suivre le cours. Ton ressenti, s'il te plaît. Bah alors c'est très très bien, sauf au début. Moi j'ai vraiment pas l'habitude de l'accent québécois et donc j'ai eu un peu du mal à comprendre. Bon, comme tu m'as dit, ça va passer, c'est pour ça qu'on vous prévient. Ça m'a fait penser à Brad Pitt dans Snatch. Vraiment, j'ai pas compris un mot. Là c'est la même chose, je suis désolée. Voilà. Quand même, les acteurs jouent très bien, hein, très remarquable. Après, c'est un film, attention, très dur et vraiment pas conseillé pour tout le monde. Voilà. 16 ans et plus, moi je dirais même 18. Franchement, à 16 ans, je pense pas que vous allez vous intéresser à ça et il vaut peut-être mieux pas, c'est trop violent. C'est un drame familial, hein, donc Ah, mais un gros, gros drame, on n'est ça pas. dépasse l'imaginable. Sachant que peut-être, il y a possibilité, on sait, on n'a pas approfondi le sujet, que ce soit inspiré d'une histoire vraie. Oui, c'est inspiré d'une histoire vraie. Voilà. Ça envoie du lourd, il faut être bien accroché. Le film est peut-être un petit peu long, 2 heures, cependant, on ne les voit pas passer. Une fois qu'on est dedans, c'est parti. Il y a deux actrices qui se ressemblent, Oui. donc il faut faire attention à bien faire la part des choses, ou Totalement. peut-être le regarder une deuxième fois pour mieux l'apprécier et pour mieux voir les détails. C'est un film très dur, ouais, bouleversant, mais intrigant. Ça vaut vraiment le détour. Il faut vraiment le regarder. Je pense que c'est un film qui va rester un petit moment dans la tête. Moi, c'est l'un de mes films préférés. Je l'ai déjà vu 2 fois. Hier, c'était la troisième. Et pourtant, j'ai été assidu du début jusqu'à la fin. Comme tu dis, il faut être concentré. Parce que la mère et la fille se ressemblent vraiment. Et on fait des passages de la jeunesse de la mère à la situation actuelle avec la fille. Et si vous n'avez pas l'œil, des fois, vous êtes un peu emmêlé et c'est mauvais. Donc, il faut Exact. être concentré. Il faut pas non plus être Einstein pour regarder ça. Mais il faut être concentré. Voilà, sur ce qui se dit et sur ce qu'on en voit à l'écran. C'est inspiré d'un fait réel et ça reprend aussi le parcours de vie de l'auteur. Peux-tu rappeler son nom? Wadi Mouawad.
Voilà, qui est libano-québécois. C'est ça. Donc ça reprend totalement son parcours de vie, mais ça reprend aussi le contexte qui avait le contexte politico-historique De la guerre. de la guerre qu'il y avait dans Anima, c'est-à-dire la lutte des communautés chrétiennes, palestiniennes, bon, musulmanes et juives. Voilà, la guerre horrible, mais qui repose sur rien. Voilà. C'est exactement Voilà. ça, Désolé, et mais je pense pareil. enfin, peut-être pour eux ça représente beaucoup, mais là on a vraiment l'impression que ah ben parce que tu m'as fait ça, je te fais ça, Voilà, et ça et va ça trop prend des loin. proportions, mais Comme la guerre en général qui va toujours trop loin pour rien. ouais. Mais là, l'auteur, t'as l'impression que quand même ça lui tient à cœur. Ah, totalement, Voilà, totalement. peut-être parce qu'il a dû fuir son pays à cause de ça aussi. Ben après, on n'est pas des pros en géopolitique, c'est un ressenti. Voilà, donc Oui. si vous avez envie de mettre des commentaires, vous y connaissez, allez-y. Nous, on aime bien apprendre des choses. Exactement. Voilà, mais là, on est vraiment dans la guerre sale, c'est-à-dire on bombarde les orphelinats et on les brûle. Voilà, histoire, on Histoire d'être bombarde, sûr qu'il on n'y ait pas de brûle, reproduction derrière. on mitraille, voilà, et après, on est content. Voilà. Hein? Bon, bref, c'est pour ça que c'est dur dans le contexte. C'est dur dans le drame familial, c'est dur aussi dans les tabous aussi moraux. On va pas trop rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais accrochez-vous. Ouais, leurs croyances d'avant aussi. Croyances d'avant, Par rapport aux femmes. religieuses, tout Voilà. et tout. Mais ça reste beau quand même. C'est ça le problème en fait. C'est Ça. l'horreur ce film, mais c'est beau. Donc tu sais pas si tu peux dire que c'est beau, parce que c'est quand même atroce. Mais voilà, Ça. c'est beau. Drame familial, mais il y a quand même de l'amour dans ces liens familiaux. Et c'est incroyable. Je le conseille à tout le monde. Parce que c'est d'une beauté incroyable. Ah, évidemment, à voir jusqu'au bout. Ah oui. On ne répétera jamais assez, mais il y a des choses comme des livres qu'il faut aller jusqu'à la dernière page et la dernière minute. C'est le cas de ce film. Très bien. Est-ce que tu le conseilles, toi? Évidemment, je le Voilà. conseille. Nous sommes en plein soleil couchant. Oui, Voilà. Avec du bon c'est oeil. pas très beau, désolé. On sort de la piscine, c'est pour ça que On voilà, luit, on est luisant. nous brillons Voilà. de toute notre halle. Bon. Donc, vu que c'est bientôt l'été, vous allez nous voir comme ça la plupart du temps. Très bien. Que lis-tu en ce moment? Justement, après Anima, là, j'ai un trou énorme. J'ai fini les contes des sages Ah oui, du c'est vrai. désert Et que c'était j'avais bien? emprunté à la médiathèque. Oh, c'est super sympa. Voilà, c'est des petits contes. Je pense pas que ça mérite un retour parce que qu'est-ce que tu veux en dire? Un retour rapide? Pourquoi pas? Très bien. Moi j'ai attaqué Dead King Kong, ou un Le truc. Gamester. Oui, le Galmester, ça se passe à Brooklyn. Voilà, c'est haut en couleur, c'est déjanté. C'est bien. Très bien. Voilà, bon week-end Merci. et à bientôt. À très vite.